Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend la fin de la chanson. Un peu de vernis et du speed. Champion. Tu veux que je te dise, si on vendait rien que la moitié de ce que tu t'envoies comme speed, tout irait beaucoup mieux pour nous. Ça va aller beaucoup mieux pour moi. Jolie. Tu prépares assez de cristal pour fracasser tout le pays? C'est la loi de l'offre et de la demande, ma chérie. Les Mexicains font passer tellement de cristal de ce côté de la frontière que je suis obligée d'en faire deux fois plus pour gagner deux fois moins. Ok? T'es d'arrêt de mon cœur. Si tu continues à en préparer autant en une seule fois, tu vas finir par te faire sauter. D'ailleurs, en parlant de me faire sauter, tu veux pas t'occuper un peu de moi? Ferme-la, s'il te plaît. Je veux que t'ailles là-bas et que tu t'habilles correctement, d'accord? Parce que je te signale qu'on a des clients qui sont en train d'attendre leur livraison. T'as compris? Arrête. J'ai tellement envie de toi, me laisse pas comme ça. S'il te plaît. S'il te plaît, viens, mon chéri, je suis tellement excitée, viens. D'accord. Suce-moi si tu veux. Dépêche-toi. Suce-moi vite fait. D'accord. Dépêche-toi. D'accord. On y va. Je t'ai dit, mon vieux, t'es dans la merde! Dans une sacrée merde! Vous voulez quoi? Moins de concurrence. Adieu. D'accord. Fils de pute! Pardon, chérie. Putain!
Quel fils de pute! Le désert californien a été secoué tôt ce matin par l'explosion d'un laboratoire clandestin de méthamphétamine, dans laquelle un couple surveillé par les autorités pour fabrication et trafic de drogue a trouvé la mort. Bien que les corps partiellement calcinés n'aient pas encore été formellement identifiés, les enquêteurs pensent que certains éléments trouvés sur la scène de crime indiquent qu'il s'agirait d'un règlement de compte entre trafiquants vivants dans le désert. C'est bien amusé. Le problème de la drogue a également été le sujet de la conférence de presse donnée par le président Brooks ce matin à la Maison Blanche. Le président a présenté le plan global de son administration pour relancer la lutte contre le trafic de drogue en Amérique. Ce que certains ont l'habitude d'appeler le problème de la drogue n'est pas simplement un problème, mais un véritable fléau. Un fléau qui ne cesse de se répandre et de ronger notre société tel un véritable cancer. Et si nous ne prenons pas de mesures pour le combattre sans faire la moindre concession, ce fléau pourrira de l'intérieur cette grande démocratie qui est la nôtre, détruisant d'innombrables vies, causant encore plus de ravages et encourageant encore plus de crimes et de corruption dans les petites comme dans les grandes villes, dans toute l'Amérique. Tu vas où? Comme vous venez de l'entendre, le au président boulot. Semble fermement décidé à agir contre. Et tu fais quoi de Gabi? Et à mettre tous les moyens nécessaires. Eh ben, Gabi, elle peut aller se baigner dans la piscine ou si elle a faim, elle a qu'à se servir dans le frigo ou elle peut aussi rentrer chez elle et peut-être qu'un jour on se reverra. Les ont déjà été mis en place sans obtenir les résultats escomptés. Espérons pour le bien de notre société que celui-là fera preuve de plus d'efficacité. Désolé pour le retard. Ouais, c'est ça, enfoiré. Où t'étais encore passé? À l'église. Oh, putain, quelle chaleur. Ah, ça va encore. Il est où, Speedy Gonzalez? À 3h, 400 mètres. Les blaireaux? T'es en retard, fils de pute. Hé, hey, mec, tu l'as entendu, ce connard? Putain de ta mère. Écoute, ce que tu fais avec ta mère, c'est ton problème. Moi, je suis là pour transporter de la marchandise et faire du fric. Alors vas-y, file-moi mon fric et dis à ton gentil petit copain Joey de se bouger le cul et de charger mon avion en vitesse. Tu veux pas venir me sucer la queue? Ton fric.
C'est beaucoup de fric pour un simple livreur. C'est peu de fric pour livrer tout ça. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Dis-moi, Gringo, pourquoi tu les comptes jamais ? Vous me faites confiance pour la rapidité, moi je vous fais confiance pour l'argent. Non. La différence, c'est que si tu me donnes une seule bonne raison, je te tuerai sans hésitation pour le speed. Dis-moi, Vasquez, qu'est-ce qui te fait croire que je te tuerai pas pour le fric ? Écoute, les fédéraux commencent à se douter de quelque chose, alors la prochaine fois, on se retrouvera ailleurs. Envoie-moi ça par mail, et surtout, la prochaine fois, ne sois pas en retard. Et va te faire enculer, connard. Non, je laisse ça à Chewie, il paraît que c'est son truc. Hey, Stryer. Mon patron est très impressionné par l'efficacité et la fiabilité que tu apportes à nos opérations. Ton patron, tu veux rire ? C'est plutôt le patron de ton patron. Enculé. Allez, on y va, on s'arrache de là. Putain de merde. Hé, hey, où tu vas, Vasquez? Arrête-toi, c'est ma caisse. Hé, hé, décollez. C'est pas le moment. Je vais devoir démarrer à chaud. Ah, allez. I'll never quit on the babe you just
C'est vraiment chaud, mais assez marrant. Tu crois que c'est ce salaud de Vasquez qui nous a balancé? Non, faudrait qu'il soit inconscient pour trahir le cartel et coopérer avec les fédéraux. Dans ce cas, j'aimerais savoir pourquoi on a failli se faire pécho. Il ne pensait pas tomber sur nous. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Strager? Le fait qu'il n'y ait aucun avion avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue la mission, on fait nos livraisons et on se retrouve au hangar. Ok. À plus, les mecs! Laissez-moi leur parler. Oui, chef, quand vous voulez. Patrouilleur, ici le commandant. Ici patrouilleur, à vous. On a trois petits appareils qui viennent de décoller d'une piste privée à 10 000 nautiques est, nord-est de votre position. Nous pensons que c'est des passeurs. Interceptez-les, il se pourrait que ce soit des fils de l'air. Ici patrouilleur, bien reçu. On a repéré toutes les cibles. Vous voulez qu'on s'occupe de laquelle en premier? De la plus rapide des trois. Bien reçu. Evans! Chef? Trouvez-moi qui a dirigé cette opération au sol et amenez-le-moi tout de suite. Oui, chef. Désintégrer son petit avion en plastique. Tiny, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Ça suffit, Tiny, arrête un peu de jouer à la guéguerre et donne-moi un coup de main. Je t'écoute, qu'est-ce que t'as cassé cette fois? Rien, j'ai seulement un jet au cul. J'ai besoin d'un endroit où m'abriter. Ça, tu vois, c'est une raison de plus qui fait que je refuse de monter dans vos putains d'avions. Mind-toi, Einstein! Je vois ça. Ok. J'ai un canyon formé par un ancien lit de rivière asséché qui se trouve à 3 miles au nord-est de ta position. Vire à gauche. 4-0-3-0. Et tiens-toi prêt à plonger dans la montagne. Dieu, Strager, tu cherches à pulvériser ton avion. Tu vas à 320 nœuds et tu descends à plus de 10 000 pieds minute. Je t'ai dit que j'avais un jet au cul. Jet ou pas jet, si tu ralentis pas, je t'assure que tu vas finir par y laisser tes ailes et ta queue. Je veux juste savoir si c'est encore loin. Non, plus qu'un mile et demi. Conserve le même cap et maintiens-toi à 200 pieds. Sois prêt à plonger dans le canyon dans exactement 30 secondes. Ok, j'espère que tu sais ce que tu fais. Tu doutes de moi? Les montagnes l'empêcheront d'utiliser sa vitesse et la faible altitude lui fera consommer tout son carburant. Signal, vire à fond à droite. 3, 2, 1, vas-y. Oh merde! Attention! Ce gosse est vraiment doué ou totalement malade? Il est doué! C'est toi qui es malade! Cible
cible vivante, Tiny. T'as pas un autre plan? J'ai un peu de renfort. Arrête de flipper, car Foreman est dans la place. Et j'ai aussi amené Rainman avec moi. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? On est juste venu te donner un petit coup de main. Il faut jamais abandonner son ailier, n'est-ce pas? Je croyais vous avoir dit de ne pas m'attendre. C'est ce qu'on fait. On est juste revenu sauver ton cul. Allez, tire-toi de là. On se charge du jet. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ces gosses sont vraiment malades. Et nous, on est presque à sec. Oh merde. Juste quand je m'apprêtais à donner une leçon de pilotage à ces rigolos. Je crois que tu vas devoir remettre ta leçon de pilotage un autre jour, à moins que t'aies envie d'abandonner le jet et d'appeler un hélico de secours pour rentrer à la maison. Bien reçu. On rentre à la base. Yo! C'était vraiment trop facile. T'es passé où, Stray? Je te vois pas. C'est inconscient, les mecs, vous auriez pu vous faire tuer. Non, les As ne meurent jamais. Ils s'envolent tout droit jusqu'au paradis ou vont direct en enfer. Et puis t'as vu un peu comment ils ont fait demi-tour pour s'arracher en vitesse? Ils ont compris qu'ils faisaient pas le poids. Vous avez surtout eu de la chance, vous avez plus de carburant. De la chance, tu parles? Les fils de l'air leur ont foutu la trouille de leur vie à ces nas de fédéraux. C'est pas vrai, Rainman? J'ai dit c'est pas vrai, Rainman. Stryker a raison, on a eu de la chance. Oh, c'est comme ça. Alors vous êtes tous les deux contre moi. Ah, d'accord. Cool. Juste pour ça, ce soir, toutes les bombasses que je trouve, je les garde. L'agent Jackson, monsieur. Ce sera tout. Asseyez-vous, agent Jackson. Votre petite descente surprise au milieu du désert, bien qu'ayant été parfaitement exécutée, a fortement compromis l'aboutissement d'une de nos enquêtes en cours. Je crois n'avoir reçu aucun document me disant de ne pas agir. Il va pas s'ouvrir tout seul. Ruben Miguel Vasquez, surnommé... Speedy Gonzalez. Je connais ce gars. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il collabore avec nos services de renseignement. Quoi? On se l'est mis dans la poche il y a tout juste 3 jours. Vasquez doit être complètement fou pour se retourner contre Escondido et le cartel. Ou seulement foutre quelqu'un. Comment ça, foutre quelqu'un? Il aurait fait ça par amour. Lupe Hernandez, arrêté à la frontière il y a 4 jours avec l'équivalent de 10 000 dollars de méthamphétamine caché dans ce qui lui sert de gagne-pain. Elle est nouvelle? D'après la petite, Vasquez voulait tester sa loyauté en l'utilisant comme mule avant qu'il ne se marie. Je vois. Va travailler pour moi, chérie. Très romantique. Et en plus du cadeau de mariage, qu'est-ce que vous avez offert à Vasquez pour qu'il collabore avec vous? Quoi d'autre? Immunité, carte verte, annulation des poursuites pour trafic de drogue à l'encontre de sa petite amie. On oublie tout. D'accord, mais il doit vous donner qui? Parce que ce gars est trop petit pour être en mesure de vous donner Escondido. Eux. Vous reconnaissez ces gars? Ouais, lui, je l'ai vu. Pourquoi, qui c'est? Sean Stryker, il est le leader d'un groupe de jeunes pilotes casse-cou connu sous le nom de Fils de l'air. Les Fils de l'air. Nous ne savons que peu de choses sur eux et Vasquez a décidé de la fermer jusqu'à ce que lui et sa petite amie bénéficient du programme de protection des témoins. Nous avons établi qu'il s'agit avant tout d'une bande de jeunes qui aiment vivre à 100 à l'heure et faire la fête comme de vrais rockstars, et qui financent tout ça en transportant du crystal meth à travers le désert à bord de leurs avions high-tech ultra-rapides en plastique. Et à 600 km/h, on peut traverser le désert avec un bon paquet de drogue en un rien de temps. Et nous devons les prendre en flagrant délit. Ça explique l'ascension fulgurante d'Escondido. Vous trouvez des gringos avides de fric pour transporter le plus vite possible un max de cristal et vous deviendrez le roi de la mafia mexicaine en un rien de temps. Vous avez vu Stryker de près? Oui. Le typique petit blanc. Cheveux bruns, yeux bleus, dentition parfaite, avion rapide, peur de rien. Il a même failli me décapiter avec son hélice, alors je crois que oui, je peux dire que je l'ai vu de près. Ce qui veut aussi dire qu'il vous a bien vu. Vous allez donc aller au Mexique pour surveiller Escondido. Quelqu'un d'autre s'occupera de nos fils de l'air. Merde. Que
la totale. Des pilotes de guerre. Un putain d'avion, un truc de malade, armé jusqu'aux dents. Et moi, je me pointe tranquille, sans rien dire, et l'avion sur le dos. Waouh, est-ce que t'es sérieux? Il a fait quoi? Ouais, t'es vraiment sérieux? Dis-nous ce qu'il a fait. La seule chose qu'il pouvait faire face à tant de supériorité. À fond les manettes, bye bye tout le monde, plus personne à l'horizon, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Look at you dancing naughty. You like expensive drinks in your stilettos pink. And you across the room. Je sais pas si je dois te donner une seconde chance. Et pourquoi? Les mecs ont pas l'habitude de perdre mon numéro. Vois le bon côté des choses. Je suis pas comme tous les autres mecs, au moins. Oh. C'est pas un problème. Écoute, je dois aller parler avec mon associé, alors toi, va t'amuser avec les autres. Et si en fin de soirée t'es toujours seul, on se retrouvera. Bon. Hey, man. À la tienne, ça va? Ouais, super. Tiens, super. Regarde-le. J'arrive pas à croire qu'elle gobe toutes ces conneries. Je suis sûr qu'il croit même pas lui-même à tout ce qu'il raconte. Ouais, mais ça a l'air de fonctionner. Il s'en sort toujours bien. Ouais, j'avoue que je comprends pas. À avoir peur que tout ça se termine après ce qui s'est passé aujourd'hui. Tant que Vasquez ne parle pas, on n'a aucune raison de s'en faire. D'accord, mais si jamais il parle? Personne ne déçoit Escondido et vit assez longtemps pour pouvoir en parler. Alors qui sera notre nouveau contact? Je sais pas. Mais je vois quelqu'un avec qui j'aimerais bien avoir des contacts. Pas mal. Vraiment pas mal. Oh, je l'ai vu le premier. Salut. Salut. Je m'appelle Stryger. T'es plutôt direct, mais j'adore ça. Mes amis m'appellent Rose. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Il est superbe. Quelle ligne. Tout en finesse. Il est rapide. C'est un fast glass, un modèle de compétition. Et c'est un des plus rapides de tous. Le plus rapide des trois ou de sa catégorie? Du monde. C'est toi qui le pilotais ce jour-là? Du début à la fin. Alors tu pourrais peut-être m'emmener faire un petit tour, histoire de voir si t'es aussi doué que tu le dis. Alors tu me trouves un peu trop sûr de moi, hein? Comment t'as deviné? Mais dis-moi, tu t'y connais en avion? Je m'y connais en vitesse. Y'a quoi sous les bâches? Un nouveau prototype tellement secret que tu devras me tuer si jamais je le vois? C'est un petit projet sur lequel je bosse dans le but d'augmenter le rendement de mon business. Et c'est quoi exactement ton business? Transport de marchandises. Ouh, ça a l'air passionnant, dis donc. À moins que tu n'utilises ton avion pour livrer les pizzas. En parlant de pizza, si on allait te chercher à manger pour aller avec ce que tu bois? Sushi? Je mange de tout à condition que ce soit cuit, mort et que ça ait le goût de poulet. Bon, alors demain, tu fais quoi pour le déjeuner? Apparemment, je serai avec toi. C'est d'accord.
demandé de venir ici pour parler. Alors parle. Cet enfoiré de fils de pute qui s'appelle Vasquez, il travaille pour les fédéraux. Toi aussi, tu travaillais pour lui? Non, Vasquez travaillait pour moi. Tout comme toi, d'ailleurs. Non, moi je travaille pour mon compte. Tu peux toujours présenter ça comme tu veux, ça peut te rassurer. Mais la réalité, c'est que tu travailles pour moi. Et moi, je travaille pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un apprécie vraiment beaucoup ce que tu fais. Il dit qu'il apprécie ton travail, il voudrait que tu en fasses plus. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, à part un peu plus de fric? Beaucoup plus de fric. Seulement, tu vas devoir le mériter. Il veut que tu transportes le cristal meth et le fric. Ce sera pas des promenades de santé. Tu feras de nombreux allers-retours. Pourquoi ce changement? Parce que les flics nous ont saisi deux bagnoles la semaine dernière qui transportaient plus de 3 millions dans leur coffre. Et parce que tout le monde sait que l'avion est beaucoup plus rapide que la bagnole. I will take you up to heaven. I will be there for you night. Désolé pour le retard. J'ai été retenu par le boulot. Je te trouve superbe. Je te trouve pas mal aussi. J'aurais jamais imaginé que tu mangeais dans des cafétérias. Ça colle bien avec la voiture. Yo, Steiny, tu sais où est Stryger? Non, aucune idée. Il m'a dit de préparer son avion et qu'il serait de retour à l'heure pour aller faire la livraison. Je parie que c'est cette nana. Elle m'inspire pas du tout confiance. Oh, arrête un peu ta line que Stryger ait réussi à se la brancher. Alors, c'était pas si mauvais que ça, hein? Parfait. Ça avait le goût de poulet? Mort et cuit, oui. Dis donc, tu fais quoi ce soir? Je sais pas. T'as une proposition? Un barbecue sur la plage. À Malibu. Ça peut être sympa. Il se pourrait que je t'accompagne. Bon, alors dans ce cas, il se pourrait que je t'attende. Écoute, il faut que j'y aille, on a encore du boulot à faire. Oh, des pizzas? Ouais, des livraisons. Oui. Allons gagner un peu de fric, les mecs. Ça, c'est le genre de phrase que j'aime. La thune, y'a que ça de vrai. Tout est en ordre? J'ai changé tes injecteurs, j'ai revu et augmenté la compression, mis de nouveaux démarreurs Air Max, ce qui devrait régler tes problèmes de démarrage à chaud. Et je t'ai aussi ajouté 3,5% de puissance. Alors oui, je pense que tout est en ordre. Respire, Einstein. Respire. Une fois qu'on a échangé le cristal contre le fric, on se retrouve à Rosamond. Bien reçu. C'est du fric vite gagné, les mecs, 10% de 800 000, et tout ça en une seule journée. Vraiment trop cool, ce nouveau deal. Allez au ranch avec notre part, moi je rapporte le reste à la frontière. Pourquoi tu veux y aller seul? Et si jamais ça se passe mal? Au moins, le fric et vous serez en sécurité. Peut-être, mais toi? Le capitaine doit couler avec son navire. Et si jamais Stryger revient pas, on se partage tous les deux sa part. Je crois que je m'en remettrai. De toute façon, je vais revenir. Ce soir, j'ai rencard. Moi, ce que je pense, c'est que tu devrais te faire accompagner, mais... c'est toi le boss. Oh, hé, hey, reviens. D'accord. Tu peux me dire ce qu'il a? Eh bien, il sent pas trop ta nouvelle nana. Il croit que c'est une keuf ou qu'elle est avec le cartel ou un truc du genre. Quoi? Écoute, je crois que Rayman a les boules parce que t'as réussi à conclure avant lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, moi aussi j'ai un peu les boules si tu vois ce que je veux dire. Je comprends jamais trop ce que tu veux dire. D'accord. Alors écoute. Pourquoi tu me fais pas confiance avec le fric?
C'est quoi le problème? Je vais t'expliquer. Disons que t'es complètement irresponsable et stupide dès qu'il s'agit d'argent. Irresponsable? C'est toi le boss et tu sors des conneries pareilles. D'accord, d'accord. Le mois dernier, t'as gagné combien? Pas loin de 150. Mm-hmm. Et le mois d'avant? Je me suis fait 175, c'était un bon mois. D'accord. Alors on arrive à 325 000 dollars, c'est bien ça? Et combien il te reste aujourd'hui? Je sais pas, 1000, 2000. Voilà pourquoi Rain Man transporte le fric. Oh, c'est comme ça! Tu veux dire que je suis trop con pour toi? Tu l'as su comment pour les caisses qui transportaient notre fric? Je t'emmerde. Alors, c'est tout? Non, agent Jackson. Le meilleur reste à venir. Avec ça, tu vas comprendre ta douleur. Rien à foutre, tu t'emmerdes. Jolie machine. Quel dommage qu'un tel avion serve à faire un aussi sale boulot. Voilà, tout est là. J'en doute pas. Allez, bon retour. Man, je suis désolé de t'avoir gêné. Non seulement c'était nul, mais en plus tu m'as fait rater une bonne vague. C'est bon, c'était juste pour rire. Puisque tu le dis. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Si tu le dis, alors? Dis donc, qu'est-ce qui te déplaît autant? En quoi ça te pose un problème que je m'intéresse à Rosanna? Oh, s'il te plaît. Le problème, c'est pas que tu t'intéresses à cette fille, le problème, c'est qu'elle, elle s'intéresse à toi. C'est vrai, quoi? Qu'est-ce que tu sais sur elle? Comment elle est arrivée dans notre hangar? Est-ce que tu t'es demandé une seconde d'où cette fille pouvait bien sortir? On connaît même pas la moitié des gens qui gravitent autour de nous. Pourquoi tu me fais autant d'histoires avec elle? Parce que tu ne sais rien sur cette fille et t'es prêt à l'introduire dans notre cercle. Tu ne t'en rends même pas compte, mais tu te mettrais à genoux devant elle. Je le vois dans ton regard. T'avais exactement le même quand t'étais raide dingue de Debbie Kennedy. Arrête un peu, ça remonte au collège. Ouais, et tu lui as raconté ce qu'on comptait faire pour le concours de sciences et elle a embrassé Jeffrey Jones. Et elle lui a tout dit et au final, ils nous ont battus et il a embarqué ta gonzesse et notre trophée. Et ma vie privée ne regarde que moi, non, je suis pas d'accord, Stray. Ce que nous faisons aussi bien toi que moi ou Foreman concerne tout le monde. C'est pas une question de vie privée et tu le sais très bien. Yes.
Elle a 26 ans. Elle est née à Guadalajara, au Mexique, et a été élevée dans la vallée de San Fernando. Elle a fait des études à l'université de Northridge, d'où elle est sortie diplômée en danse et en commerce. Elle s'est fait arrêter 2 fois ces 6 derniers mois pour des courses sauvages et conduit actuellement en étant sous le coup d'une suspension de permis. Si ça vole, plane ou embrasse bien, ne lâche pas le morceau, c'est notre devise, hein. J'ai demandé à Steiny de mener sa petite enquête. Je suppose qu'elle m'aime bien, c'est tout. Ok. Je me suis peut-être trompé sur son compte. Parce que si on ne fait pas confiance à une fille qui se fait arrêter 2 fois au cours de l'année pour des runs sauvages, alors à qui fera-t-on confiance? Ça veut dire que je peux rejoindre le club? Oh, alors t'es venue? Je t'ai dit que je viendrais peut-être. Je suis content que tu sois là. Bon, j'y vais. Je vous laisse parler de cul tranquille. Moi, je vais aller me chercher un homard pour accompagner ma bière. J'ai l'impression qu'il ne m'apprécie pas. Non, il se méfie de tout le monde. Et toi? Seulement quand je pense que c'est nécessaire. Tu veux une bière? Puisque tu le proposes, merci. Et si on allait en chercher une autre pour moi? You keep your distance, fear the system of time. C'est sympa ici, non? Ça colle bien avec l'avion. Ouais, quelque sorte. Oh. Merci. T'as l'air d'être à l'aise avec les baguettes. Non, pas tant que ça. Heureusement que tu le dis. La sauce. C'est une bonne idée. Non. C'est pour mauvais. D'abord des sushis dans un excellent restaurant et maintenant Santa Monica de nuit en avion. Impressionnant. C'est le syndrome de Superman. Avoir le pouvoir de franchir les gratte-ciels en un seul bond. C'est vraiment légal? Oui, tant qu'on ne se fait pas arrêter. Je vois. Waouh. Jolie maison. Merci. C'est tes parents qui sont riches ou c'est le transport de marchandises qui paye bien? Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Ma mère s'est remariée et j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai acheté cette maison comptant et... Le transport de marchandises assez haut et assez bas, mais ça va pour moi. Toujours aussi direct. Ça évite de parler pour rien dire. Et il y a longtemps que ça va pour toi? Ça fait 2 jours, 3 rencarts et... un baiser. En réalité, c'est 2 jours, un long et surprenant rencart et un baiser. Tu comptes chipoter sur des détails ou tu préfères que je te fasse faire un autre surprenant voyage? Hey. Glace.
Hé hey. T'as réveillé? Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur? Oh, comme... Je dormais pas, alors je voulais lire mes mails. À 4 heures du mat? Ouais, ça te dérange pas? Non, mais il faut le mot de passe. Oui, j'ai vu ça. J'ai bien tenté ma chance avec Face Glass. Mais ça n'a pas marché. Dis-moi, si on retournait au lit pour faire d'autres choses que je suis pas censée faire... Lame à double tranchant. Alors réfléchissez bien avant de la traverser. Quel fils de pute. Evans! Oui, chef. Vous savez quand ce DVD est arrivé? Non, aucune idée. Votre nom était dessus, alors je l'ai mis sur votre bureau. Vous êtes arrivé la première ce matin? Non, monsieur. Gutiérrez était là avant moi. Très bien. Qu'il vienne me voir. Oui, monsieur. Ce clandestin sera jusqu'à nouvel ordre mon invité, et surtout... Regardez-moi ça. Mon assurance contre d'autres infiltrations et agressions. La frontière est comme une lame à double tranchant. Cette fois, nos craintes sont confirmées. Alors réfléchissez bien avant... Il va falloir trouver un moyen de le sortir de là. Ce clandestin sera jusqu'à nouvel ordre mon invité, et surtout... Je vais faire analyser cette vidéo par nos experts. Ils y trouveront peut-être quelque chose qui pourra nous aider à sauver Jackson. Autre chose, monsieur? Non, ce sera tout. Passez-moi le président et appelez Ramirez. Est-ce que je te vois tout à l'heure? Peut-être. Qu'est-ce que tu proposes? Plein de choses qu'on n'est pas censé faire. Alors, on se voit tout à l'heure. Vous avez Jonas Moore sur la une et votre réunion sur la sécurité nationale dans 5 minutes, monsieur le président. Merci. Je suis à 35 000 pieds et il est 8 heures du matin sur la côte ouest, alors je suppose que vous ne souhaitez pas me parler de baseball. Merci d'avoir pris mon appel, monsieur le président. Comme toujours, Jonas, comme toujours. Bon, je vous écoute. Il semblerait que nous ayons un problème délicat avec notre bon ami du sud. Je vois. Seulement, la politique étrangère et les relations internationales ne sont pas toujours compatibles avec les actions qui sont moralement justifiables. En particulier lorsqu'elles impliquent une seule personne, même si celle-ci porte un uniforme. Une fois que ce candidat en aura fini avec lui, il le tuera. Il a une femme et 2 jeunes enfants. Je faisais confiance à votre jugement quand vous étiez mon ailier et que vous voliez à moins d'un mètre de mon aile droite, à la vitesse de Mach 2. Et j'espère que je peux encore faire confiance à votre jugement. Faites tout le nécessaire pour le récupérer. Mais faites-le dans la plus grande discrétion et sans déclencher une guerre. Par contre, si vous pouvez faire un peu de ménage en même temps... Entendu. Bonne chance. Soyez prudent. Et tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. D'après ce que nous savons, Jackson serait toujours en vie et nous agirons en nous basant sur cette hypothèse tant que nous n'aurons pas eu de preuves formelles du contraire. Mais s'il s'agit de mener une opération de sauvetage non officielle, comment allez-vous faire? Avec nos fils de l'air. Où en êtes-vous avec Stryger? Aujourd'hui, les mecs, on touche le jackpot. 3 avions, 3 pilotes et 3 chargements. Ça fait 7 voyages chacun, sans compter ma livraison de fric à la frontière. 3 chargements. Ça fait en gros 400 kilos de cristal. À 300 000 le sac, on va transporter pour 2 700 000 dollars de cristal net. Ça, c'est du boulot comme je l'aime. Et avec notre nouveau taux de 15% sur la valeur de ce qu'on transporte, ça nous fait... Oh, Stiny, ça fait combien? Ça fait 405 000 dollars. C'est ce que je disais, c'est du boulot comme j'aime. Ça fait une demi-tonne de cristal et un sacré paquet de fric. Alors on sort vite les avions et tout le monde décolle.
Ouais. Vous avez tous été informés des raisons et de l'organisation générale de cette opération conjointe. J'ai à côté de moi l'agent Ramirez. Elle va vous donner plus de détails sur le déroulement de cette opération et sur ce que vous aurez à faire. Elle est basée sur une variante du système de réseau en étoile qu'utilisent beaucoup de transporteurs. Ils se serviront de l'aéroport de California City comme centre de distribution et de réception d'où partiront toutes les livraisons. Et où sera aussi déposé l'argent qui, une fois compté et leur part retirée, sera chargé dans l'avion de Stryger qui s'envolera en direction du sud pour le livrer à un avion d'Escondido. Ensuite, celui-ci le transportera de l'autre côté de la frontière, au Mexique. Les fils de l'air sont très bien organisés, très bien équipés et se déplaceront très vite. Ce qui veut dire que nous devrons être encore plus rapides qu'eux. Les cibles terrestres sur chaque aéroport satellite devront être neutralisées en premier de manière à les empêcher de communiquer avec qui que ce soit de leur réseau. Ceci est de la plus haute importance. Une fois les cibles terrestres maîtrisées, l'équipe Alpha s'occupera des fils de l'air alors qu'ils seront seuls sur le lieu de leur dernier rendez-vous. Ne vous méprenez surtout pas, ces gars-là sont doués et intelligents. Si nous ne les coincerons pas au sol, nous ne les attraperons jamais dans les airs. Et dernière chose, ouvrez le feu s'il le faut. Tout ce qui compte, c'est que cette opération soit un succès total pour nous, mais les fils de l'air, je les veux tous vivants. Show me what you got. You'll never catch me falling. Get this bird up off the ground. Three strikes and then you're out. I'll never say I'm sorry. I'm too bad and way too fast to let you catch me. I'm flying high into the sky. Ils ont fait, mais ils ont déjà amorcé leur approche pour se poser à Cal City. Moins de fuel et plus de drogue, ça donne des avions plus légers, donc plus rapides. Équipe Alpha, nos fils de l'air sont déjà en train d'approcher de l'aéroport de Cal City. Vous en êtes où exactement? Ici l'équipe Alpha, on y sera dans 10 minutes. Terminé. Bon, je vous envoie des renforts, mais ça les retiendra pas au sol. Mettez la gomme, faites exploser le compteur, je veux que vous soyez là-bas dans 5 minutes. Merci. Allez les gars, on est parti pour prendre les mémés, on met le turbo. $405,000. Tiens, Foreman, et essaye de pas tout claquer. Ah, ça c'est cool, c'est vraiment trop cool. Bien, dès que vous aurez fait le plein, vous décollez. Moi, je devrais être de retour au hangar avant le coucher du soleil, allégé de $2,295,000. Ça fait un sacré paquet de fric à transporter tout seul. T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? Non, je peux le faire seul, et puis si moi j'ai le fric d'Escondido, Foreman, lui, il a le nôtre. Je vois ce que tu veux dire. Fais gaffe à toi. Ouais. Et pourquoi vous me prenez toujours pour un mongol? Ah, mon beau, il faut bien qu'on s'amuse un peu, non? Allez, hop! Oh, merde! Les gars, vous avez de la compagnie qui déboule sur vous de l'ouest à fond la caisse. Merde, on décolle! Chef, j'en vois un qui va décoller. Merde! Vous avez entendu Einstein? Les flics arrivent! Décollez tout de suite! Trop tard, il est parti. Nom de Dieu! Est-ce que le patrouilleur est déjà parti? Il vient juste de décoller. Allez!
c'est notre jour de chance. On va enfin pouvoir donner une leçon d'aviation à un de ces pilotes à la noix. Foreman, à toi d'y aller le premier, on peut pas décoller ensemble, la piste est trop étroite. Si on décolle pas en même temps, tu vas te faire choper. C'est toi qui as notre flic, alors décolle tout de suite. Einstein, tu me reçois ? Je te reçois. T'as vu ça ? J'ai vu, oui. C'est de ma faute. Je suis désolé. On est tous dans le même bateau. On est tous volontaires, Steiny. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais faire la livraison et ensuite on verra ce qu'on peut faire pour Rain Man. Si on reste solidaires, on s'en sortira. Foreman, lui, s'en sortira pas. La cible, on s'approche. Stray, t'as de la compagnie. À 6 heures, 3 miles. Il approche très vite, ça doit être un jet des fédéraux. Il faut que tu me trouves un endroit où m'abriter, Steiny. Le centre-ville. T'as dit le centre-ville ? Oui, descends et va au centre-ville. Leur jet ne pourra pas ralentir et voler assez bas pour te suivre entre les buildings. T'es complètement taré, Steiny ! Non, Stray, mais toi tu l'es. Tu vis pour ce genre de délire. Ok, Einstein, c'est bon. Alors maintenant, vire à droite, direction 230. Descends à 500 pieds et réduis ta vitesse à 150 nœuds. Accroche-toi à ton sandwich, c'est reparti. Et maintenant, je fais quoi ? Tu suis la voie rapide d'Arlo en direction du sud. Il va falloir que tu trouves mieux que ça, Steiny. Tu vas prendre la prochaine sortie et contourner le Staples Center par la gauche. Une fois que tu seras passé derrière le bâtiment, engage-toi sur Figueroa Street en direction du nord. T'es au courant que si tu continues à faire le con avec ce gosse, on va manquer de carburant. T'es conscient de ça au moins? Je vais où maintenant? Alors ensuite, tu vires sur ta droite à l'angle de la 5ème et de Figueroa. Toujours au cul, Steiny, ce gars est complètement fou, sors le plan B! Désolé de te décevoir, Stray, mais c'est déjà le plan B. Alors sors ton plan C! Comme tu veux, mais tu risques de pas aimer. Dis-moi ce que je dois faire! Vire à droite sur Grant, vire à droite sur la 6ème, et vire encore à droite sur Figueroa. À droite sur Grant, à droite sur la 6ème, puis Figueroa. Descends jusqu'à 10 pieds et ensuite à droite sur la 2ème rue. T'as dit à 10 pieds ? Affirmatif, descends à 10 pieds.
et prie pour qu'il n'y ait aucun poids lourd sur ton chemin. Je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais nos réservoirs seront bientôt à sec et on vole vraiment très très bas. Je te garantis que ce fils de pute ne m'échappera pas une deuxième fois. Je crois qu'on lui a vraiment donné une belle leçon de pilotage. Ta gueule, toi, ne la ramène pas. T'as eu ton permis sur Internet? Tout est là. J'aimerais que tu transmettes un message à Escondido de ma part. Dis-lui que j'arrête. Je suis pas sûr qu'il apprécie vraiment. Écoute, j'en ai rien à foutre qu'il apprécie ou pas. Dis-lui que j'arrête. Einstein ! Einstein ! Je suis désolée, tu es en état d'arrestation. T'avais dit qu'on se verrait aujourd'hui. Stray. Tu vas bien? Ça peut aller, vous deux? Oui, oui, ça va, enfin je crois. Je t'avais prévenu, Stray! Putain, je t'avais prévenu! Je suis l'agent Moore et vous connaissez l'agent Ramirez. Je t'assure que t'es dans une sacrée merde, Stryker. Je veux un avocat. J'ai bien peur qu'un avocat ne puisse pas faire grand-chose pour toi. Surtout vu la gravité des charges qui pèsent sur toi, à savoir trafic de drogue à très grande échelle. Maintenant, si tu acceptes de coopérer, tu arriveras peut-être à éviter le pire. Et c'est quoi le pire? Finir tes jours en prison. Et mes potes dans tout ça? Ils feront partie du deal. Quel deal? Je vais laisser l'agent Ramirez t'expliquer tout ça. Je préférerais que ce soit vous. Alors je vais te résumer la situation. On veut qu'avec ton équipe, vous meniez une mission secrète au Mexique pour libérer un de nos agents retenus en otage par Escondido. En échange de quoi? Nous sommes prêts à oublier toutes les charges qui pèsent sur vous. Je bosse plus pour Escondido, c'est fini, j'ai tout arrêté. Rêve pas trop, petit. Au Mexique, la mafia fonctionne comme chez nous, une fois dedans. Soit y reste, soit t'es mort. Je connais même pas Escondido. Vous croyez vraiment qu'il va me laisser arriver et repartir avec un agent à vous qu'il a capturé et qu'il garde en otage? La rumeur dit qu'il est intouchable au Mexique. C'est pas une simple rumeur, c'est la vérité. La vérité? C'est un drôle de mot venant de toi. Chef, vous voulez bien nous laisser seuls 5 minutes? Écoute,
Quels que soient tes sentiments sur la façon dont tout s'est déroulé, nous t'offrons une chance de pouvoir t'en sortir en nous aidant. J'aurais pas à m'en sortir si tu ne t'étais pas prostituée pour pouvoir m'arrêter. Je t'interdis de parler de cette façon. Oui, d'accord, je faisais mon boulot, mais... Mais coucher avec toi n'en faisait pas partie. Je l'ai fait uniquement par amour pour toi, tu comprends? Tu l'as fait par amour pour moi? À cause de toi, Forman est mort, et moi je me trouve là. La mort de Forman n'est qu'un regrettable accident, et ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. C'est pourtant arrivé, et les responsables, ce sont les gens pour qui tu travailles. C'est le fait de transporter de la drogue qui a fait ce qui est arrivé. Je suis vraiment désolée pour Forman. Je te le jure. Et je peux t'assurer que je regrette d'avoir été choisie pour t'arrêter. Mais les fils de l'air ne sont que des trafiquants de drogue. Tu l'as dit toi-même. On est juste des livreurs de pizza, on fabrique pas de cristal, on vend pas de cristal, on n'en consomme même jamais. On se contente juste de transporter. Si on ne le faisait pas, d'autres s'en chargeraient. Oh, arrête, c'est beaucoup trop facile comme argument, tu ne trouves pas? Escondido est un sale type, sans scrupules, qui gagne des fortunes en revendant du poison qui répand la mort et le chaos partout. As-tu déjà vu l'ampleur des dégâts causés et le nombre de vies qui peuvent être détruites par ce que tu transportes? Non. Alors jette un œil là-dessus, mais je te préviens, ce n'est pas joli. Crystal Meth. Meth. Ice. Fast. Go fast. Quel que soit le nom, ça tue. C'est plus addictif que la cocaïne ou l'héroïne et son usage se répand sans cesse. Et toi et tes petits copains, avec tous vos super avions, vous faites partie du problème. Il s'appelle Kyle Jackson. Il est marié. Il a une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Je veux l'annulation de l'ensemble des charges, aussi bien pour moi que pour Stanley Renman. Ce sera écrit noir sur blanc. Espèce d'enfoiré. Adieu, enfoiré. Très bien. Il s'appelle Pablo Ramon Escondido. Il est jeune, intelligent, impitoyable et utilise les dernières technologies. Et d'après ce que tout le monde s'accorde à penser, il est le nouvel héritier du trône du cartel de la drogue mexicain. Escondido habite une propriété sécurisée du nord du Mexique au sud de San Diego. Vu l'importance que Jackson a pour lui, nous sommes certains que c'est là qu'il le retient prisonnier. Toute la région et ses habitants sont sous l'autorité d'Escondido et contrôlés par des patrouilles de fédéraux payés par lui. Passionné de pilotage, on raconte qu'il aurait payé Fidel Castro $1 million pour s'entraîner avec les forces aériennes cubaines. Il possède en outre une flotte d'avions dont 2 chasseurs de combat totalement armés. En d'autres termes, Escondido est le nouveau baron de la drogue. Ok, pourquoi accepterait-il de me recevoir? Parce qu'hier, nous avons démantelé l'ensemble de son réseau de distribution lors d'une seule et unique opération. Et que toi, tu t'es débrouillé pour quand même lui livrer son argent. C'est le genre de chose qui te fait gagner son respect. Ton invitation va arriver. Nous devons juste être sûrs que tu seras prêt une fois le moment venu. Les As ne meurent jamais. Ils s'envolent tout droit jusqu'au paradis ou vont direct en enfer. Carry when I was weak, dead again. I was blind. I'm looking for home, but wherever that may be. Send relief. Will I fly there? Tiens, papa, comme ça tu pourras voler jusqu'au paradis. I'll soon be home. Oui. Oh.
donne quoi? Pour un ovni, ça fait vraiment un excellent avion. Une fois que vous aurez arrêté de parler de votre nouveau jouet, on pourra peut-être revoir la mission. Tu veux revoir quoi? Y'a rien de plus simple. Une fois que nous serons dans l'espace aérien mexicain, mon ex-nouvelle copine et mon ailier m'abandonneront. Ils iront se poser sur une piste abandonnée à 2 miles ouest-nord-ouest de la propriété d'Escondido, où ils n'auront plus qu'à attendre jusqu'à ce que A, je sois tué, B, je lance un SOS, auquel cas mon meilleur ami et mon ex-nouvelle copine voleront à mon secours juste à temps pour me voir être tué. Espace aérien mexicain dans 60 secondes. Mettons-nous en position. Bien reçu. Regardez le radar. Il y a un avion qui approche, chef. Il est seul? Oui, chef. Il est tout seul. Contacte-le. Bien, chef. Quand il aura atterri, qu'on le conduise jusqu'à moi. D'accord, chef. Iba a ser dura y pucha el gol puro mío podido salir de Cuba. Llegó aquí con un sueño de paz en la mano. Y ten cuidado, es que se meta con ese cubano. Si sos rico en la bolita con los italianos, barbería en los barrios de los americanos. Van el viejo mío Tony Montana, su bandera tapa la gran manzana. No te metas, no vas a ver mañana. Respeta, los malos son de La Habana. Él nage bien. Je suis pas venu là pour regarder votre petite copine nager. T'es là seulement parce que je voulais que tu sois là. Je suis là parce que vous avez dit que vous aviez une proposition qui me ferait revenir sur ma décision de tout arrêter. Je suis désolé. Je suppose que tu dois avoir soif. T'es mon invité, je ne t'ai même pas offert à boire. Même pas un verre d'eau. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une bière, si vous en avez. J'ai tout ce que tu veux. Apporte une bière. Oui, patron. Alors, ce vol. Solitaire. Je suis désolé. Mais il vaut mieux savoir être prudent. Une seule personne peut causer de légers problèmes. Deux ou trois. Ça peut causer plus de problèmes. Parle-moi un petit peu de ton avion. C'est un modèle intéressant parce qu'il est rapide. Bien assez pour transporter pas mal de cristal. C'est juste un prototype, mais avec une petite flotte pour maximiser le transport et les distances de livraison, je pense pouvoir augmenter la capacité de vente et de distribution de, arrête, disons, 25%. Stop, stop. On reprendra cette conversation un peu plus tard. Allons nous asseoir à l'ombre. Je vois que tu as un invité, mon amour. Oui, ma princesse. Viens donc t'asseoir avec nous. Je te présente Marissa, ma distraction. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Marissa suit des cours à Los Angeles. Je la fais conduire là-bas dans un de mes avions trois fois par semaine. Et après les cours, je fais du shopping sur Rodeo Drive avant que l'avion me ramène auprès de mon beau prince adoré. Ce fut un plaisir. Belle fille, non? Ouais. Super.
superbe fille, c'est vrai, mais... elle revient cher. Bien. Bien, gringo. Très bien. Si on revenait à nos affaires... Je vous écoute. En raison des malheureux événements qui se sont produits au cours de ces deux derniers jours, je me retrouve maintenant dans l'obligation, qui est aussi une opportunité, de créer un réseau de distribution plus efficace pour mon produit. C'est dans cette optique que je cherche à m'associer avec une personne digne de confiance aux États-Unis. Alors si tu es prêt à discuter de cette proposition, j'ai l'intention d'étendre mon hospitalité et de te garder comme invité pour la nuit. Autrement, j'ai bien peur d'être obligé de te tuer. Alors, gringo, qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, c'est qu'apparemment, tu ne me laisses pas le choix. Je vois que tu comprends vite. Alors, est-ce que tu acceptes mon hospitalité? Pourquoi pas? Exactement, gringo. Pourquoi pas? C'est pas que je doute de ta tactique, mais... tu comptes passer toute la nuit ici? Non, le plan c'était de rester là jusqu'à la nuit. Maintenant, on peut y aller. Au moins, on sait qu'il est toujours en vie. Que la fête commence. Vous faites pas confiance aux banques? Si. Mais les banques ne me font pas confiance. Un agent de la sécurité intérieure, il a essayé de me coincer une fois. C'est vrai. Et je vous promets que je vous arrêterai tous les deux une fois que je serai sorti de là. On verra si vous ferez toujours autant les malins. Pourquoi vous l'avez enfermé? Parce que je le peux. Et je veux que les Américains sachent que j'en suis capable. Et qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Sans Stryger, il devrait plus tarder à agir.
sais. Je sais. Je suis désolé de t'appeler aussi tard, mais j'ai pas réussi à m'éclipser plus tôt pour te tenir au courant de ce qui se passait. Hé, ça doit être Stryger. Il est passé à l'action. Où est Gutiérrez? Je sais pas, je viens juste de me réveiller et je suis venu là. Oui, je devrais pas regarder, mais à coup pas. Je me suis dit que peut-être... Vous savez... Faites-moi voir ça. Écoutez, ça se passe peut-être pas si bien que ça. Vous pouvez rien faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse exactement? Je sais pas, vous êtes un peu la défense du territoire. Vous avez pas un genre de rayon de la mort en orbite autour de la planète? J'ai bien peur que le contrôle de ce... rayon de la mort... ne fasse pas partie de mes attributions. Bonjour, patron. Stryger est envoyé par les fédéraux. J'ai fait au mieux pour contrarier leur plan. Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Reste là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas appelé. Je suis juste venu récupérer ma fille. Ta fille appartient au patron. Maintenant, sors de là ou j'appelle un garde pour qu'il te tue. Vous passez? Je suis allé appeler ma fiancée et je me suis assoupi. La nuit était calme et longue, chef. Ouais, d'accord. Allez, rejoignez votre poste en vitesse parce que la matinée risque d'être furieusement agitée. Allez, allez! Oh merde. Pourquoi on n'a plus de liaison? C'est pas bon, ça. Qui reste, réparez-moi ça. Je sais, monsieur. Je ne trouve pas d'où vient le problème. Gutiérrez, rétablissez la liaison. C'est le boulot d'Evans. Où elle est passée? Un moment, mais ça va passer. C'est bon, je le vois. Il va bien. Venez avec moi, vite! Dépêchez-vous! Pas pour longtemps. Dis-moi ce qui se passe. J'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens-toi à moi et surtout ne me lâche pas. D'accord, quand tu veux. Je peux jeter un œil?
D'accord, vas-y. Le système a été volontairement désactivé. Je me doutais bien qu'est-ce qu'on y doit avec complice parmi nous, mais j'aurais jamais pensé que c'était Evans. Est-ce que tu peux le remettre en marche? Oui, mais ça va prendre beaucoup de temps. Evans a crypté le code qui a fait cracher le système. Dieu. Mais j'ai une autre idée. Mon avion a seulement deux places, et je dois emmener Jackson, je suis désolé. Bien, alors c'est nous qui sommes désolés. Papa! Escondido veut que tu enfermes ce gringo avec l'autre. Est-ce que t'es sourd? Dépêche-toi! J'ai aucun ordre à recevoir de toi. Allez sur la piste, je vais essayer de vous envoyer un avion pour vous récupérer. On n'a pas beaucoup de temps, maniez-vous! Hé, hey, le fils de l'heure. Hé, hey, écoute, je sais que t'es blessé, mais je crois que tu devrais faire attention à lui. Oh, oh, où tu vas, toi? Viens par là! Dépêche-toi d'ouvrir cette cage. Merci. C'est quoi ça? Ça faisait 6 jours que j'attendais de faire ça. Ça va? Tu trouves que j'ai l'air d'aller bien? Venez, faut pas qu'on traîne. J'arrive. Merde, on pourra pas décoller! Mais t'es pas sérieux là, faut qu'on se casse tout de suite, comment on va faire? Il faut qu'on trouve un autre avion, venez! T'en auras plus besoin! Allez! Quoi? On prend celui-là? C'est un avion, non? Marissa! Marissa! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Carolina. Merde! Alors, voilà. Hé, hey, pilote. Quoi? Décolle. Rainman, t'es là? Oui, il est là, on arrive tout de suite. Quoi, c'est toi qui tiens le manche? Depuis le début. Il y a deux personnes sur la piste d'envol à qui j'ai promis un voyage vers la liberté. Bienvenue. J'ai l'impression qu'on est un peu bas, non? On a des yeux et des oreilles. Comment t'as réussi à faire ça? C'est une transmission satellite gouvernementale sécurisée. Oh, pas la peine d'être un génie pour réussir à le pirater. Enfin, si, un peu. Allez, venez!
l'avion n'est pas blindé. J'ai compris. On peut quitter le Mexique maintenant? Connu beaucoup mieux. On a deux avions en l'air. Oiseau de la Liberté 1 et 2. Oiseau de la Liberté 1 et 2, ici le commandant, vous me recevez? On reçoit 5 sur 5, commandant, j'ai le colis avec moi, je rentre à la maison. Excellent, excellent. Mais je dois vous prévenir que nous fonctionnons avec des moyens limités. Wilson. 5 miles nord-est, cap 290, altitude ascendante à 5000 pieds. Ils vont bientôt redescendre. On dirait qu'ils ont de la compagnie. Ils sont loin de notre espace aérien. Je sais pas, je crois qu'ils ont qu'une petite avance. Un avion s'approche de vous à grande vitesse, il vous aura rejoint avant que vous ne soyez dans notre espace aérien. Bien reçu, vous avez entendu? On a entendu. Je prends les commandes. Redman, ennemi à 6 heures, distance 3 miles. Il approche à plus de 500 nœuds. Mets les gaz à fond, Redman, je m'arrange pour te couvrir. Stryger, c'est un pilote d'avion de combat qualifié. Contre lui, tu n'as aucune chance. J'ai le même appareil que lui et toi, t'as des civils à bord, alors sauve-toi vite. Écoute, t'as peut-être le même jet, mais tu sais pas t'en servir pour combattre. Je trouverai bien comment il marche, maintenant tire-toi. Ça me plaît pas trop de te laisser ici tout seul, je te demande pas si ça te plaît, je te dis juste de le faire. Maintenant, tire-toi. Chier, merde. D'accord. On se voit de l'autre côté de la frontière. Personne n'a le droit de prendre ce qui est à moi. Hey, Escondido, t'as envie de jouer un peu? Si t'as envie que tes dernières paroles soient pour moi, c'est ton problème, gringo. N'importe quel idiot peut voler, mais il faut une sacrée paire de couilles pour se battre au ras des rochers. Que t'en dis? Tandis que tu meurs en altitude, ou que tu meurs au ras du sol, ça ne fait aucune différence pour moi. Ce qui compte, c'est que tu meurs. Accroche-toi! J'espère que tu sais ce que tu fais! À 800 km/h, on va très vite le savoir, Jackson!
parce qu'on risque de se mouiller les pieds. T'inquiète, si jamais tu nous fous à la flotte, j'utiliserai ton cul comme bouée de sauvetage. Hé, hey, pourquoi il tire plus? Les canons doivent être trop chauds, mais ça va pas durer longtemps. Désolé de te dire ça, mais ici j'ai aucun endroit où m'abriter et je ne vois rien à l'horizon, je ne sais pas quoi faire. Oh super, t'en as encore des nouvelles de ce genre-là? On a tout un arsenal, mais je sais pas m'en servir. Tu rigoles? Stiny, si tu m'entends, j'ai besoin d'un endroit où m'abriter. Je vois ça tout de suite. J'apprécie beaucoup tous les efforts que tu fais seulement. C'est quoi ce sauvetage de guignol que tu nous fais? Le seul que t'auras. C'est bon, Stray, j'ai trouvé. Il y a un canyon à 2 miles nord-est de ta position. Vire à droite, cap 040. Et accroche-toi à ton slip. Ce jet est très gros et très rapide, alors j'espère que tu sais ce que tu fais. Tu doutes de moi. Dès que ces canons auront refroidi, il va se remettre à tirer. C'était quoi ce bruit bizarre? Il nous a touchés. Oh, je suis rassuré. Je pensais qu'on avait crevé un pneu. Accroche-toi! C'est pas le moment de perdre le contrôle! Non, ne dis rien! Il nous a encore touchés! Non, on vient juste de franchir le mur du son! Prépare-toi à embrasser ma petite camarade! Droit au paradis ou droit en enfer! Adieu, enfoiré! Pas mort? Non. Presque. T'as pas cassé mon avion, hein? Non, mais elle a pulvérisé ton record de vitesse. 560 km/h. Mais t'inquiète pas, je dirai pas ton secret, Superman. Hé, hé, dites-moi, vous voulez pas attendre qu'on soit à l'hôpital pour vous tripoter? Hé, les gars, vous êtes là? Vous êtes là, les gars? Stryker! Stryker! Vous savez que vous n'avez pas le droit de garder cet avion pour vous! Stryker! Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous annoncer la totale réussite d'une opération de la sécurité intérieure qui nous a permis de démanteler le plus important réseau de distribution de drogue transfrontalier mis en place. C'est dingue ça, je peux même regarder la télé. Sur l'ensemble du sud-ouest des États-Unis. Cette opération a été exécutée par une talentueuse équipe composée de forces aériennes, mais aussi de forces terrestres d'assaut, tous spécialement réunis, puis entraînés pour cette mission. C'est le président des États-Unis et il est en train de parler de moi. Tu ferais mieux de lâcher ton écran et de regarder devant toi. Mais que les choses soient bien claires, notre combat sera encore très long. Mais c'est un grand pas que nous venons d'effectuer dans la bonne direction, un pas qui ne peut qu'encourager le gouvernement à persévérer dans son combat contre la drogue. Tu sais, c'est pas vraiment très légal tout ça. Tant qu'on se fait pas prendre...
propose de faire quitte ou double, mais sans handicap. Donne-moi le fric, je te donne la vitesse.